Salut, salut, salut les amis. C'est toujours Empérator, l'homme du métro. Écoutez ça, écoutez ça, écoutez ça, écoutez ça, écoutez ça. Mais avant d'écouter, je dis juste que prochain rendez-vous, donc le 6 juin. Le 6 juin qui est une journée dédiée à la RDC, au génocide qui se passe en RDC. Voilà, c'est une journée dédiée à une, aura une grande manifestation à Place de la République. Voilà. Mais dans le cadre de nos journées mensuelles, nos rendez-vous pardon mensuels à Châteaurouge, nous ferons d'abord un tour à Châteaurouge avant de pouvoir rejoindre le gros des troupes à la Place de la République. Je vous invite d'être nombreux et d'aller à la Place de la République. C'est une journée consacrée à la RDC le 6 juin. Voilà, pour le génocide qui se passe le 6 juin. Je fais un appel à tous les panafricains d'être à la Place de la République. Pour tous ceux qui ont besoin des articles Afrique Unie, voilà, que ce soit des boucles d'oreilles, des drapeaux, que ce soit des colliers, des médailles, de la carte d'Afrique, bracelets et tout, on est joignable toujours au 0033 625 15 05 47. Je répète, si vous êtes à l'étranger, 0033 625 15 05 47. Si vous êtes en France, c'est le 06 25 15 05 47. Voilà, sur WhatsApp. Alors, les amis, écoutez ça. Je pense que les journalistes ne comprennent pas, mais nous, on comprend vite. Les Africains, nous, on comprend vite. Je pense que les journalistes ne comprennent pas. Et peut-être qu'ils comprennent et ils font exprès. Ce que Macron est en train de dire là, ce que Emmanuel Macron est en train de dire là, si la Russie gagne, il le dit autrement. Il le dit autrement. Parce que les conséquences sont déjà là. Parce que la Russie est en train de libérer l'Afrique. Rappelez-vous, Poutine avait dit, je n'ai pas besoin de faire la guerre à la France. Il suffit de libérer des pays africains et elle s'écroulera seule. C'est ce qu'ils avaient dit. Écoutez maintenant les amis, écoutez. Écoutez, là, ce qu'il dit là, c'est profond. Mais regardez-le autrement. Ce n'est pas la vie des Ukrainiens qui l'importe. Ce n'est pas le souci des Ukrainiens qui le préoccupe. Écoutez. Des Français changeraient. De quelle manière? Nous n'aurons plus de sécurité en Europe. Qui peut penser une seule seconde que le président Poutine, qui n'a respecté aucune de ses limites et aucun de ses engagements, s'arrêterait là? Donc ce qui se passe en Ukraine aujourd'hui, si on relève également des intérêts vitaux de la France. Il y a un danger existentiel pour la France. La sécurité de l'Europe et la sécurité des Français se jouent là-bas. Et ce sont nos intérêts vitaux. Vous employez là un terme qui a des connotations particulières. Je vous dis la sécurité. Vous avez utilisé menace existentielle. Ça veut dire que notre existence est en cause. Je le dis et je l'assume. Nous avons déjà subi les conséquences de cette guerre dans notre quotidien. On a déjà subi ces attaques. On a déjà dans plusieurs de nos hôpitaux subi des jours et des jours de dysfonctionnement à cause de cette agressivité russe. Nous avons subi les conséquences en Europe. Le prix du gaz. La situation de notre économie. Le coût des céréales. Les dérèglements économiques qui sont suivis sont la conséquence de cette guerre qu'a lancée la Russie. Et si la Russie gagne cette guerre, la crédibilité de l'Europe sera réduite à zéro. Bon, les amis, son souci, je peux vous dire et je peux vous garantir, et vous le savez très bien, sa peur, c'est le fait que la Russie est en train de libérer les pays africains. Ils savent ça. Ils savent ça. C'est ça sa peur, sa hantise. Vous comprenez? Mais les temps ont changé. Les temps ont changé, Emmanuel Macron. Nous avons insisté depuis longtemps, des années. Nous avons dit changer cette politique. Les intérêts de la France seront garantis dans nos pays. Oui, nous l'avons dit, nous, Africains. Nous, au Congo-Brazzaville, on l'a dit. Vous n'avez pas écouté. Vous nous maintenez Sassou Nguesso, qui est au pouvoir là, qui tue tous les opposants politiques. Au Tchad, vous nous maintenez la lignée des Déby, qui tue les Tchadiens. On a tué un opposant à bout portant là-bas. Vous ne dites rien. Mais s'il s'agissait du Mali, s'il s'agissait du Burkina Faso, toutes les critiques, votre poids, votre manière de faire deux poids, deux mesures là, on est fatigué et ça ne passera plus. Partagez la vidéo, les amis. C'est ça. C'est pourquoi nous avons dit, il est temps, les amis. Un conseil gratuit. Achetez dans l'AES. L'avenir de l'Afrique, c'est
dans l'embryon des États-Unis d'Afrique qui est en train de naître dans l'AES, le Mali, qui est chef de file de ce combat-là, le Burkina Faso et le Niger. Achetez votre terrain maintenant là-bas. Investissez votre argent maintenant là-bas. Je fais appel à tous les Afro-descendants. Je fais appel à toutes les Antilles, à tous nos frères d'Amérique. L'avenir du monde se joue là. Nous allons lutter afin que ces présidents-là vous tendent la main. Parce qu'il est temps qu'on se mette ensemble. Achetez-la. L'avenir se joue là. Parce que ici, là, tous les signaux annoncent la banqueroute. Tous les signaux annoncent la faillite ici. Il est temps. Pensez à l'avenir. On est ensemble, les amis. On est ensemble. Partagez la vidéo. Donc, je dis pour tous les articles, pour soutenir les artisans africains, achetez les articles Afrique Unie au 06 25 15 05 47. Partagez la vidéo.